Paris, La Courneuve, Saint-Denis, Aubervilliers, Pantin, Gennevilliers, Saint-Ouen. Une seule journée pour trouver, analyser, remarquer les sons de la ville permettant de se repérer, de comprendre l'espace. Mes premiers repères furent d'abord relevés sur un plan, mais c'est vers l'inconnu que je me dirige. Ce sont les bruits communs, stéréotypés, mais représentatifs, qui m'attirent. Avec eux, je sais où je suis. Suis-je proche, loin, seul? Ces banalités, point phare d'une ville, suffisent-elles à nous repérer? L'importance de s'y sentir proche, loin, de m'y diriger ou de lui tourner le dos, implique un rapport complice avec la symphonie des sonorités qui s'articulent autour de moi. De là, l'image se détaille. Mon imagination me contextualise et mon intuition me repère. Paris, La Courneuve, Saint-Denis. Appréhender un lieu inconnu. Aubervilliers, Pantin, Saint-Ouen, Gennevilliers. Trouver dans la multitude des sonorités ce qui constitue un repère. Se repérer dans un lieu inconnu à partir des sonorités connues. Qu'est-ce qui fait un repère pour vous ici? L'immersion partielle et partiale permet-elle néanmoins de trouver des sons représentatifs d'un espace? Trouver un repère, n'est-ce pas retrouver quelque chose de familier? En quoi ce repère est-il différent? Ne faut-il pas commencer par retrouver ses propres repères pour arriver à percevoir autre chose? La zone me semble traversée par des chemins de fer qui se croisent. Je suppose que l'on entend des bruits de trains différents, des RER, des métros, des TGV qui passent au gré du voyage. Sur la carte, je remarque deux grands axes, à l'ouest et à l'est du chemin de fer. J'imagine alors un bruit assourdissant de circulation automobile, en plus de celui des RER. Certaines grandes routes se chevauchent, et cela me fait penser à des échangeurs, à des routes qui se superposent, et par voie de conséquence, à des sons se répercutant dans les tunnels et sous les ponts. Je me représente alors un bruit intense de circulation sur la grande route, des véhicules à grande vitesse qui filent et défilent, une zone de passage, de transition. Le tiers ouest de la parcelle apparaît comme un tissu urbain traditionnel. On imagine une forte animation le matin, et le soir à partir de 17h.
Bruit d'enfants, allant et rentrant de l'école, klaxons et moteurs sur les grandes artères. Certaines grandes parcelles me laissent supposer des magasins de grande surface. Des bruits de marchandises, stocks, transports, voix et cris. À l'est de la carte, une très grande étendue non construite, parc ou cimetière. Bruit de feuilles, oiseaux, crissement de gravier. Au nord-est, des grands ensembles. Langue étrangère, musique, enfants qui jouent, deux roues. Au sud-est, d'immenses entrepôts. Silence. Rumeur du périphérique. Bruit de train de fret. Grincement des grues. Mon repère, c'est le trafic. Il est 10 heures. Les véhicules qui passent sous l'autoroute et qui créent une caisse de résonance m'abrutissent. Je sens bien que je suis sur une zone de passage où l'on ne s'attarde pas. L'endroit a un caractère très neutre, très peu charmant. On croise parfois des salariés en pause au pied des immeubles, mais on se sent beaucoup plus dans une zone de transition. Mon repère, c'est le cimetière. C'est une cellule de calme et de lenteur. Dans un environnement plus rapide, plus vif et volubile. On est mardi, dans l'après-midi. Aucune personne n'est visible. Seul, le bruit des souffleurs laisse deviner la présence de jardiniers. Je ressens une impression de lenteur. L'immuabilité de ce calme et le sentiment d'éternité sont propices aux réminiscences. Cela me rend morose. Les rumeurs lointaines des voitures et des trains ne troublent pas la quiétude du lieu. Et le survol des avions invisibles et les croissements des corbeaux sont presque inquiétants. Et c'est ainsi que la vingtaine d'étrangers se sont éparpillés de la porte de la chapelle jusqu'à Aubervilliers, dans l'idée de trouver des repères sonores. Nous n'avons pas pris nos repères de façon naturelle, mais de manière forcée, volontaire. Au lieu de trouver nos repères intuitivement, nous sommes allés au-devant d'eux. Nous avons lu les cartes avant de nous rendre sur les lieux, donc on avait déjà remarqué des choses, repéré des éléments qui nous ont donné notre a priori sonore. Ne sont-ce pas ces éléments mêmes qu'on est allé chercher ? Comment donc ces a priori influencent-ils notre recherche de repères ? Eh bien, dans un cas, on va utiliser des lieux exceptionnels, hors du commun, qui nous interpellent et que nous pourrons ensuite reconnaître. Je ne vous parle pas de monuments historiques, parce qu'il n'y en avait que très peu, mais de lieux qui se sont imposés d'eux-mêmes et sont devenus des repères pour l'élève. On a ainsi pu relever, en violet, une usine, un parking vide, un chantier. Et puis, dans l'autre cas, on va rechercher les lieux reconnaissables, identifiables, soit les lieux qu'on a repérés directement sur la carte, soit qu'on a déjà rencontrés ailleurs et qu'on va calquer sur le lieu. On a ainsi relevé en vert des parcs, des cimetières, des marchés, un jardin d'enfants, une rue commerçante ou piétonne, une autoroute et un périphérique, une église, une station de métro et un arrêt de bus. Ces derniers lieux nous repèrent au sens où l'on connaît déjà le ressenti que l'on peut en tirer. Le terme « rassurant » est d'ailleurs beaucoup apparu dans les comptes rendus de prise de son pour ce type de repères. On a ainsi eu soit des cris d'enfants, des bruits de foule, des pas sur le bitume, des conversations, des rires, en bref, des bruits révélateurs de vie. Soit le silence, signe avant-coureur d'un besoin de quiétude, de retour à l'essentiel, de repos pour nos oreilles, dans un environnement urbain caractérisé par un chaos auditif. Cette notion de rassurant renvoie à un certain malaise. Ce dernier n'est pas apparu sur les lieux.
Il nous vient de notre inconscient, d'une image qui a pu être faussée, ternie dans l'inconscient collectif par ce qu'on a pu entendre et qui en tout cas conditionne notre recherche de repères. Ce qui amène à penser que les repères que l'on s'est trouvés ne sont pas les mêmes repères que ceux des habitants du lieu qui, eux, connaissent le quartier et y vivent tous les jours avec leurs habitudes, mais bien nos propres repères qui renvoient à notre vécu. Ils ne peuvent donc rien nous dire précisément, ni sur le quartier, ni sur ses habitants, puisqu'en fait, ils nous parlent de nous. Il serait alors intéressant de savoir quels sont les repères des personnes qui vivent dans ce quartier. Qu'est-ce qui fait repère pour vous ? C'est géographique. Alors qu'est-ce qui ferait un repère géographique ? C'est simple, pour moi c'est le métro d'abord. Bien sûr on se repère toujours par rapport au métro, on prend tous les jours pour aller travailler. Sinon il y a un repère dans la société, on est dans le 9-3 aussi. Quand on parle par exemple dans les infos, quand on dit la Seine-Saint-Denis par rapport à la ville de Saint-Denis, c'est pas bien clair, c'est souvent pas bien employé et c'est en général péjoratif. Les gens confondent, ils comprennent pas. C'est un repère pour nous, c'est notre ville, on habite ici depuis une dizaine d'années. Quand on voit la conclusion, on parle toujours d'Aulnay-sous-Bois ou on parle de la Seine-Saint-Denis, c'est ce qu'on voit à la télé, c'est un faux repère. Il y a des faux repères. La ville pour nous, c'est un repère par rapport à la France, à tout ça. L'interview que nous venons d'écouter est un exemple du matériel récolté par chacun des étudiants du groupe. Nous l'avons choisi pour sa richesse et les questions qu'elle pose. Premièrement, on peut souligner le besoin récurrent d'avoir des repères physiques. L'interviewé mentionne, comme premier repère évident, sa station de métro. Il la fréquente tous les jours, il la confronte à l'échelle d'un territoire plus grand, le département de la Seine-Saint-Denis. Ce repère acquiert donc une charge symbolique, forte pour lui. Il nous a semblé pertinent d'établir une typologie de repères. Ils peuvent être physiques, des lieux, stations de métro, magasins, des infrastructures, le périphérique, les autoroutes, la cité des sciences, mais par ailleurs, nous avons trouvé des repères qui ne sont pas physiques. Des symboles, des institutions comme la famille, l'État, ou encore le temps, à venir, en construction, rythmé, heure de la prière, l'heure de la sortie d'école. La typologie ne suffit pas seule pour définir un repère. Tout de suite, après l'avoir nommé, l'interviewé qualifie le repère. Les qualités observées le plus souvent sont la visibilité, la constance, la proximité du repère. Donc en associant type et qualité, on aboutit à la construction d'un repère. Mais l'entretien nous éclaire d'une autre manière car il soulève la notion de faux repère. En effet, il est fonction du point de vue de celui qui l'utilise. L'interviewé pose la question de la construction des repères et de l'intervention d'un regard extérieur dans ce processus. On peut s'interroger quant à la pertinence d'un repère et de l'image préconçue, stéréotypée, médiatisée que l'on s'en fait. Le but était de faire ressortir les différentes natures de repères après la lecture des entretiens réalisés avec des personnes connaissant le territoire. Notre classification de base étant incomplète, nous avons fait le choix d'étendre notre typologie pour faire ressortir la pluralité des repères pour les habitants et leurs relations. Sur cette carte, on pointe le lieu des 22 entretiens. Chaque branche colorée renvoie à un type de repère qui permet de faire ressortir la diversité des opinions. L'idée de repère se révèle variable et propre à chacun. Des différents entretiens ressort l'idée d'infrastructure comme référent, à l'exemple de cet homme que l'on vient d'entendre. C'est simple, pour moi, c'est le métro. Bien sûr, on se repère toujours par rapport au métro. De plus, un homme du 19e dit « Même si on est à l'Opéra, à Saint-Lazare, on sait très bien par exemple que pour accéder au 19e, c'est facile par le périphérique. » Pour d'autres, la vision de repère est beaucoup plus large et dépasse l'aspect matériel. Ils nous ont parlé d'institutions évoquant leur travail ou leur famille. Une femme va au-delà de nos attentes en nous parlant de l'autorité comme repère.
l'éducation et sa famille sont fondateurs des repères de sa vie. La précédente carte a permis d'ouvrir notre réflexion sur la disposition géographique des repères définis. On a dessiné sur la carte chaque interlocuteur et ses propres repères. Graphiquement, par un point qui est le départ des rayonnements se dirigeant vers ses repères. Chacun des habitants est illustré par une couleur qui représente son rayonnement territorial. On suppose une zone d'influence du terrain à son échelle. Ces ondes rayonnent et ne cloisonnent pas la zone. Ces repères ne sont pas forcément uniques ni universels. On observe des sens et des directions propres à chaque individu. Par exemple, lorsqu'on se rapproche de Paris, la zone se fait moins locale, c'est-à-dire que les relations entre Paris et ses banlieues sont plus amples. Alors qu'à La Courneuve, par exemple, un homme nous a décrit ce parc comme un des repères principaux pendant son quotidien, car il est desservi par son quartier. On a aussi des cas particuliers, comme trois habitants qui ont des repères institutionnels, comme par exemple leur propre éducation. Ils n'ont pas de repères concrets, c'est-à-dire matériels, au niveau de leur territoire. Aussi, un homme habitant La Courneuve ne s'est pas créé de repères sur ce territoire. Il vit principalement son quotidien à Paris, dans le 18e arrondissement. Ouais, c'est les signes distinctifs du quartier. Quoi. D'accord. Ouais. Voilà, un peu périphérique, les croisements, les commerces, surtout. Le périph, le bruit du périph, les garages, parce qu'il y a des garages, il y a plein de petits garages ici. On d'accord. Voit, le taxi. D'accord. Et la place, je pense que j'ai la boulangerie. La boulangerie. Ouais, c'est les commerces qui intéressent. C'est tellement urbain et tout autrement. Il semble que dans le brouhaha des voitures, la cacophonie des chantiers, le cri des enfants émerge peu à peu quelque chose de singulier. L'espace s'esquisse, les sons se précisent. L'écho. Le rythme. La nuance. L'écoute transforme les bruits génériques en une multitude de sonorités qui qualifient l'espace. L'orchestre des sonorités amorce une composition abstraite, puis fait sens et constitue un véritable repère. On n'identifie pas son exacte position. On sait seulement où l'on n'est pas et où l'on pourrait être. Au croisement de deux routes, dans un cimetière, au marché. Allez, fouillons, profitez, bonne chance, on y va.
Allez, on y va dans la tunique, là. Tête sur mon état. On y va dans le mec, là. Tête. Allez, on bouge, on profite des grenades. Allez, I know.